À la base, ce qui nous rassemble tous, c'est que on a envie de se sentir bien dans notre quartier. On a envie de se connaître aussi. Mine de rien, ça me permet d'avoir des liens vraiment plus forts avec d'autres habitants que j'aurais pas forcément rencontrés par ailleurs. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Conseil citoyen, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a le mot citoyen. Et moi, je trouve que dans une société qui a tant de difficultés en ce moment, où il y a tellement de gens qui sont sur le carreau, où on voit bien que les urnes sont de plus en plus vides, eh bien, c'est l'un des moyens d'intégrer, de faire du lien, de renforcer le vivre ensemble, d'intéresser tout le monde, et que tout le monde ait accès à la parole et puisse échanger et vivre ensemble et comprendre aussi les fonctionnements d'une société. Comprendre aussi comment est géré notre quartier par les acteurs, par la mairie, par la métropole, qu'est-ce qui va s'y faire. On est en gros questionnement, que va devenir le quartier dans quelques années. Donc pour nous, c'est primordial d'avoir un rôle et d'avoir un regard au moins, et de pouvoir faire entendre notre voix sur qu'est-ce qu'on veut voir dans notre quartier apparaître, comment on veut qu'il soit réorganisé, etc. Donc on a cet espoir, je pense, au sein du Conseil citoyen, de pouvoir participer à construire le quartier l'Assolé de demain, et aussi de monter des projets avec plein de citoyens, enfin rassembler les gens en fait. Pour moi, c'était quand même l'élargissement qui était l'intérêt principal. Parce que donc notre expérience du GTI avait montré qu'on arrivait un peu à des limites, un petit peu, pour rejoindre des gens nouveaux. On avait du mal à retrouver ces gens nouveaux. Et que là, ça a donné une impulsion auprès des habitants. Bon, certains l'ont saisi, d'autres pas encore, mais à nous d'aller encore les chercher. J'ai été contactée pour faire partie du conseil citoyen en tant que parent d'élève de l'école du quartier, puisque j'étais déjà bien investie en tant que parent d'élève sur l'école où vont mes enfants. Et du coup, on m'a parlé du dispositif de conseil citoyen qui était vraiment tout nouveau. Même le centre social ne savait pas trop ce que c'était exactement. Et du coup, j'ai accepté de participer. On ne peut plus fonctionner dans une démocratie uniquement représentative, et qu'il faut absolument que les citoyens prennent part à des décisions qui ont des conséquences sur leur propre vie. Et je pense que dans des quartiers comme ça, où effectivement il y a beaucoup d'exclusion, le fait de pouvoir participer, le fait de pouvoir se faire entendre, c'est fondamental. On parle aujourd'hui d'une quête de sens des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Et puis le sens, c'est aussi de vivre, d'avoir prise sur sa propre vie. Faire partie du Conseil citoyen, pour moi, c'est une opportunité pour mon quartier. On fait vraiment part de tout ce qui est projet de loi en ce qui concerne les quartiers politiques de la ville. À partir de l'année dernière, on nous a proposé de participer à la démarche du Conseil citoyen qui était lancée dans le cadre de la politique de la ville. Et qui se mettait en place avec donc tous les habitants du quartier de l'Assolé. Et j'ai participé à la première réunion d'information et j'étais intéressée par la démarche, notamment pour comprendre en fait comment étaient prises les décisions au niveau de la ville et quel levier d'action en tant que citoyen on pouvait avoir pour faire bouger les choses, essayer de redonner de la vie dans un quartier qui est un peu à l'abandon, notamment au niveau des commerces, au niveau de la vie sociale, etc. Ça permet aussi de dire, bon, on a largement acté ce qui ne va pas, maintenant il faut se projeter et vraiment exprimer ce qu'on veut. Et ça, ça demande un effort parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Et ça, moi, je trouve que ça, et c'est vraiment constructif. Et c'est se projeter vers l'avenir, c'est autre chose, ce n'est pas pointer ce qui ne va pas. Et c'est vrai qu'on attend, on espère. Mais moi, je suis consciente que c'est qu'un tout petit premier pas. Sauf que si on le fait pas, c'est pas là, faut pas se plaindre après. Au niveau de la connaissance, on nous a quand même beaucoup donné, notamment avec les formations sur le contrat de ville, etc. Donc peut-être de la connaissance plus pragmatique au jour le jour, pouvoir avoir peut-être une personne référente
à qui on peut s'adresser vraiment nos questions, même si on a plein d'acteurs, mais on ne sait pas forcément à qui adresser. Donc ça peut être intéressant. Les conseils citoyens, moi je trouve que c'est une très très bonne idée qu'elles se rencontrent, parce que d'une, on peut avoir des approches concrètes sur tout ce qui est outils, comment eux fonctionnent, quels outils ils étudient et leur méthode de travail surtout. Rencontrer les autres conseils citoyens, c'est vraiment nécessaire parce que c'est un dispositif vraiment nouveau. C'est compliqué, on ne sait pas ce qu'on va faire. C'est vraiment de l'innovation. Et du coup, pour nous, ça a été des fois difficile justement de dire maintenant qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va apporter comme plus-value, parce que si c'est pour rien apporter, c'est pas la peine. Et en fait, c'est en échangeant avec les autres qu'on prend exemple sur les autres ou qu'on donne l'exemple. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un petit peu dans un fonctionnement logique de réseau à toutes les échelles, mais je trouve que c'est déjà compliqué au niveau du quartier de fonctionner en réseau, c'est-à-dire vraiment de tisser des véritables liens entre tous les acteurs du quartier. Donc moi, je trouve que c'est un peu difficile de le penser au niveau d'une métropole qui vient à peine de naître. Après, c'est toujours intéressant de rencontrer des acteurs d'autres quartiers de la ville et d'échanger, parce que c'est comme ça qu'on a des idées ensemble et qu'on s'enrichit, ça c'est évident. On va échanger, on va partager nos expériences, et je pense que c'est important. Je sais que déjà notre règlement a déjà tourné dans divers conseils citoyens qui s'en sont inspirés, puisqu'on a été un des premiers, ou le premier, à avoir un règlement. Ensuite, l'État a mis en place des forums conseil citoyen auquel on a déjà participé. Après, au niveau du fonctionnement, effectivement, voir comment les autres conseils citoyens procèdent, mettre en commun les bonnes pratiques, voir aussi les idées qu'ils ont, sur des projets, des besoins qui peuvent se rejoindre, des projets qui peuvent d'ailleurs peut-être être menés en parallèle, ensemble, etc. Hyper intéressant, on en a besoin et ça peut dynamiser aussi de voir qu'ailleurs il y a des groupes qui peut-être ont réussi à faire avoir une émulation plus forte, ça peut aussi nous amener à dans une bonne dynamique. Alors, la forme, ça me semble à réfléchir. L'intérêt pour moi, il y a au moins déjà, c'est très riche d'échanger avec des gens qui ont des difficultés, qui ont des choses à apporter, etc. Je pense qu'on est plus puissant. Puis c'est aussi découvrir des fonctionnements institutionnels d'un peu partout. Moi, je trouve que la mise en réseau, surtout sur une métropole en construction, parce que c'est ça, c'est aussi vachement intéressant. Je crois que l'État a pour projet, au-delà de mettre en place des forums conseils citoyens sous forme de réunions, de faire une espèce de plateforme. Voilà. Donc je crois que l'État a ça en projet et je pense que ça serait bien, notamment pour échanger des documents. Notamment, par exemple, nous, là, on a un besoin pour de la communication. Si on avait un partage d'autres conseils citoyens qui ont déjà fait des affiches, des flyers, qui nous disent comment ils concertent les gens, comment ils recueillent la parole des gens, ça serait bien. Et une plateforme collaborative permettrait cet échange. Moi, je trouve que c'est effectivement, ça peut enrichir, mais en même temps, ça alourdit. C'est vrai que c'est déjà très difficile d'être partout, que nous, c'est un des... Mais moi, je trouve qu'il y a un message qu'on pourrait, au moins, il y a quelque chose qui pourrait marcher. Puisque nous, on a un conseil citoyen qui a pas mal commencé, moi, j'aimerais bien, en tout cas, pouvoir aller porter la bonne parole.